également au Epic Lounge pour le showcase de Mika Mendes. C'est une soirée organisée par Sexpas Toronto et Perle Noire. Donc on a la chance ce soir d'avoir avec nous Mika. Salut Mika. Salut. Alors en fait, il vient de finir son showcase. Donc quelles sont tes impressions par rapport au public de Toronto ce soir? Sincèrement, je m'attendais pas à autant de personnes et de voir que le qu'ils ont pas est en train de prendre aussi, je regarde. Donc t'as pu voir, tout le monde connaît tes chansons, les gens ils dansent dessus. Ouais, j'ai vu que ça danse, ça chante phonétiquement aussi, c'est que les gens bien. Et donc est-ce que, parce que c'est pas, les gens ils connaissent tes chansons, ils ont vu tes clips, ils ont dansé dessus, mais est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, te présenter, comment est venue ta passion pour la chanson? Carré-S, je suis dans le sud de la France, à Nice, je suis né même à Nice, et je suis originaire d'une affaire par mes parents, et on va dire que je suis rentré dans la musique indirectement. Mon père et lui est musicien aussi, et jamais j'aurais pensé que j'aurais rentré dans le milieu musical comme ça, et ça s'est fait sur une proposition d'un ami à participer dans une compilation. Et ça a plu au public et de là ça m'a donné l'envie de continuer. Et on va dire officiellement, ça fait 6 ans que je fais ça. Et voilà, pour moi c'est que le début encore. Et donc là tu as sorti un nouvel album, Sans Limite. Sans Limite, qui veut dire sans limite. Et pourquoi ce nom? Ben, j'ai choisi ce nom et ce titre, car ça reflète que la musique est sans limite, c'est-à-dire que même si on ne comprend pas parfois les paroles, ou souvent c'est des paroles, mais qu'on ressent quelque chose à travers cette bande sonore, c'est pour ça que j'ai appelé ce truc-là sans limite, c'est que voilà, je ne donne pas de limite. Moi je suis né en France, j'ai étudié en France, mais je chante dans une langue qui est un créole, transmis par mes parents. Et de voir que ça arrive à toucher pas mal de personnes, enfin beaucoup de personnes en Europe, parce que maintenant je suis dans des pays où jamais j'aurais pensé aller. Et de voir que t'as des Norvégiens qui dansent, des Danois, je viens de en Russie, je comprends pas. Mais les gens, je reçois des messages, j'adore ce que tu fais, tout ça. Ils me disent, mais je comprends pas ce que tu dis, mais j'aime. Moi je trouve ça quelque chose, c'est magique. La musique, c'est magique. C'est comme nous, on a grandi avec les musiques carrées, américaines. Au départ, on ne comprenait pas, c'est après en grandissant, avec l'école, tout ça, qu'on comprend, parce que la France, on est en retard avec l'anglais. Mais après, à la suite, on capte, on s'adapte. Moi je sais que. De base, je ne comprenais pas, mais c'est la magie de la musique. Et de voir que les gens dansent aussi. Et donc du coup, par rapport à la kizomba, si tu devais retenir un moment qui t'a marqué, que ce soit une chanson, une danse, une soirée, enfin ton moment kizomba qui te reste à l'esprit. J'ai tellement eu l'habitude de faire des shows en club ou en discothèque, tout ça, mais le moment qui a marqué, c'est quand j'ai participé à un congrès de salsa qu'ils ont pas à Madrid, voir le nombre de flancs dansés. Et c'était la même chose, ils ne comprennent pas, mais ils dansent et kiffent. Et c'est que le début, donc c'est que ça veut dire qu'il y a quand même un futur, parce qu'au-delà de la communauté, on va dire, black people, que ce soit du Cap-Vert, les Antilles, de la Réunion, n'importe où. C'est que nous, on se tape entre nous, et là, de voir que ça se développe comme ça, c'est que... Du coup, t'as pas mal de projets pour le futur? Ouais, j'en ai pas mal. Y a l'album qui est sorti, là, qui est disponible sur iTunes, MNS, iTunes. Ça, le CD sort début mai. Il y a une grosse date au Zénith, le 18, c'est quelque chose d'incroyable qui va se passer sur Paris. Maintenant, on va voir si les gens vont répondre présents, l'impact que ça va donner dans le monde qui se bat. Je
pense que c'est, voilà, c'est que le début. Maintenant, c'est à nous de trouver que les organisations se mobilisent comme la vôtre ou comme d'autres à Paris, tout ça. C'est en fusionnant comme ça que voilà. Alors, une dernière petite question pour tous nos kizadis. Est-ce que tu pourrais juste nous faire une petite chanson à capella? Un petit morceau à capella? Magico. Gente batimento coração na volado aonde o fechado realiza quem tá bom viver tudo bem natural tudo bem something tudo bem na 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 mágico. Pour avoir répondu à ces questions. On voulait aussi remercier Perle Noire, Saxpass Toronto, Kizomba Canada pour avoir organisé cette soirée et permis à toute la communauté de Toronto d'avoir organisé et permis aux gens de danser la Kizomba. Bye bye, bye. Conquistar passé pour conseguir fazer.